Depuis 88, il y a une tradition au Festival d'été de Québec, ce sont les prix miroirs. 7 prix seront remis, un par l'équipe du festival, un qui est remis par vous, et 5 autres prix qui seront remis par un jury qui est présidé cette année par Joran. On s'en va tout de suite la rencontrer. Joran, tu es présidente du jury des Prix Miroirs du 44e Festival d'été de Québec. Est-ce que tu es contente et surprise qu'on t'ait offert cette tâche-là? Contente, oui. Surprise aussi, parce que je m'attendais pas à ça. Puis, je suis contente parce qu'en fait, ça va me permettre de vraiment me plonger dans tellement d'univers musicaux différents. Vraiment, ça va être un super ressourcement. Pour moi, c'est vraiment comme un coup de fouette. Là. Ça donne envie d'aller jouer, après d'aller composer, d'aller de continuer de créer. Ça va être inspirant. Oui, c'est sûr. Il y a des prix miroirs à remettre. Comment ça va fonctionner? Comment vous allez juger ces spectacles-là? Bien, il faut aller voir. C'est pas tous les spectacles qui sont en ligne, si on veut, pour les prix. Comme le Festival d'été a énormément de styles de musique dans la programmation, les prix miroirs aussi sont divisés en plusieurs catégories. Vous ne serez pas toujours tous ensemble, il va falloir vous partager la tâche. Oui, c'est sûr que je pense qu'il y a tellement de choses à voir qu'on ne pourra pas tout le monde aller voir tous les spectacles qui sont en liste. Mais de mon côté, je vais essayer quand même d'y aller le plus possible. On est toutes des gens qui on connaît la musique, on travaille dans ça. C'est pas nécessairement on n'est pas toutes des artistes. Tu peux être journaliste en musique, travailler dans la business. À partir du moment où tu travailles dans ce milieu-là, où t'as un intérêt, puis des connaissances aussi, je pense qu'à partir de ce moment-là, tu peux faire partie du jury. Alors, vous avez un gros festival qui s'en vient. Vous vous installez à Québec, vous ne bougez plus de l'hôtel. Exactement. Je suis installée ici pour toute la durée du festival. C'est le fun parce que c'est de revenir dans ma ville, de revenir chez moi. Alors ça c'est sûr que ça me fait vraiment plaisir. Alors, Joran, je te souhaite un très beau festival. Amuse-toi bien, ressource-toi et inspire-toi de tous ces spectacles. Sûr, merci! Je vous rappelle que c'est le vote du public. C'est vous qui allez décider le prix miroir du spectacle le plus populaire du 44e Festival d'été de Québec. Allez voter sur le site officiel infofestival.com.